Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Matside. Matside, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble, on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. Là, combat des légendes, double L, Leandro Lo, pour le win, la victoire, la victory. Donc, ici on retrouve Leandro Lo contre un gars qui s'appelle Bruno Tosto. C'était pendant les pannes en 2022. Leandro Lo, kimono bleu, son adversaire kimono noir. Leandro Lo, jamais vu ce combat-là, tire la garde tout de suite et renverse son adversaire d'entrée. Deux points, sans prévenir. Tout de suite position du headquarter. Saisi au col. Qu'est-ce qu'il va nous faire son adversaire? Ah, le lapel entre les jambes de Leandro Lo. Ça, c'était demi-garde de lapel. Donc attention avec ça. Mais Leandro Lo, il est un peu fou. Leandro Lo, il est un peu hyperactif. Hein. C'est le petit frère que tu dois garder et il te met en rate d'énergie. Hein. Il va t'épuiser. Ben, ça, c'est Leandro Lo. Position du headquarter. Ici, haute. Son adversaire joue une de la riva avec une saisie au col. Difficile. Mais là, Leandro Lo, il va faire qu'un truc. Hein. C'est faire un knee-cut. En fait, Leandro Lo, c'est knee-cut, toreada, de la riva, garde X. Voilà. Et ici, son adversaire en demi-garde. Demi-garde, peut-être qu'il va passer de l'appel. Leandro Lo essaye de faire un knee-cut. Ici, il a une esgrima qui s'installe tout doucement. Le but, c'est de plaquer son adversaire dos au sol. Ici, son adversaire tient le pantalon. Du coup, Leandro Lo a un peu de mal, mais il arrive à se défaire. Si on avait vu un Lucas... Ouah, toreada magnifique ici. Il arrive sur la latérale de son adversaire. Un avantage. Si on avait vu Lucas Epry avant, qui était précis, millimétré dans ses actions... Leandro Lo, c'est un peu l'inverse, beaucoup de fréquence de passage, beaucoup de timing, beaucoup de... Ça bouge partout, ça bouge beaucoup plus, alors que c'est beaucoup plus lourd aussi. Hein. Donc ici, Leandro Lo pointe le genou au sol et dans une K-guard de son adversaire. Ici, il arrive à se défaire de la K-guard, il a le bras qui passe en dessous de la jambe, son adversaire joue une demi-garde avec un contrôle au lapel. Leandro Lo essaie de le plaquer dos au sol. Parce qu'on sait qu'une demi-garde dos au sol, c'est pas aussi efficace que sur son flanc. Leandro Lo ici qui arrive à mettre la pression sur son adversaire. Son adversaire qui ne lâche pas le lapel. Leandro Lo qui travaille lui de son côté avec son lapel. Qui essaye de faire là debout. Je sais pas si ça va marcher, chef. Hein. Tu vas étrangler ton adversaire debout là? Oui, voilà. C'était un peu gourmand. On l'a vu. Hein, on l'a vu. Donc ici, le combat est reparti debout. Leandro Lo a le lead, 2 points, un avantage, son adversaire 0 ici, Bayana de Leandro Lo, qui rapporte absolument 0 points, parce que c'était en dehors de la surface de combat. Donc ici le combat repart debout, les deux adversaires se testent, on a Bruno, je crois qu'il s'appelle, hein, Bruno qui tire la garde, lasso, collar and sleeve, avec le col du même côté, tout ça pour jouer défensif surtout, cette configuration collar and sleeve là, c'est beaucoup de défense. Là, il lâche la manche, fallait pas lâcher la manche, chef. Profite pour donner un petit coup de talon, petit high kick dans le visage de Leandro Lo. C'était pas voulu. Oh. Tout de suite, ça s'énerve là aussi. Ici, on a Leandro Lo qui pointe toujours ce genou à l'intérieur. Hein. Il veut vraiment passer de ce côté-là. On a compris clairement ce qu'il veut faire. Demi-garde, pas demi-garde. Lapel, pas lapel. Il a une mission en tête, un objectif. Monsieur l'arbitre, on ne voit pas ce qui se passe. Donc là, saisi au pantalon. Il tord son adversaire et arrive à passer la garde de son adversaire. Son adversaire garde lapel. Ouh, avantage juste. Il y a eu un avantage parce qu'il a réussi à la latérale de son adversaire, mais son adversaire avait le lapel. Du coup, Leandro Lo a eu du mal à faire cette transition, ou pour aller vers le dos, ou pour stabiliser la position. Et son adversaire a pu recomposer la garde entre temps. Donc c'est pour ça qu'il lui a donné un avantage et pas 3 points de passage. Mais c'était très beau. C'était le knee-cut à la Romulo Barral. Et là, c'est reparti. Travaille avec le lapel. Leandro Lo utilise le kimono à son avantage. Il est en train de s'étrangler son adversaire debout. Non, son adversaire va taper là-dessus. Il y a de l'espace là quand même, hein, il peut respirer. Leandro Lo, là tu es en train de gagner du temps là. On te connaît, on sait tes trucs et astuces là. Leandro Lo qui fait un combat très très tactique là. Hein. Même si on dirait pas comme ça, mais là il gère toute son énergie. Il sait qu'il reste 5 minutes, que là il est tranquille, qu'il est en train de gagner. C'est pour ça qu'il se permet de faire des folies comme ça là. Son adversaire tire la garde encore une fois. S'il force sa position du headquarter. Essaye de s'installer dans un headquarter bas, mais le genou est pas orienté vers le haut de la ceinture, du coup il a du mal à stabiliser la position.
pointe son genou au sol. Est-ce qu'il va passer en knee cut? Est-ce qu'il va passer en knee cut? Arrive à passer le knee cut, stabilise la position. Cette main qu'il avait en esgrima, là, il l'a gardée au niveau des hanches pour la transition. Du coup, quand son adversaire a donné le dos, il avait déjà le contrôle des hanches. Et il avait un contrôle au-dessus de l'épaule. Du coup, il contrôlait deux ceintures et pelvienne et scapulaire. Donc, gros contrôle sur son adversaire qui lui a failli. Et avec ça, il a failli presque prendre le dos de son adversaire. Ici, il a un étranglement qui est engagé. Est-ce qu'il va nous faire un bow and arrow des familles? L'Androlo qui lâche le col, qui repart dans la demi-garde de son adversaire, je crois. Hein. Et ici, qui va réussir à passer encore une fois avec un knee cut. Deux knee cuts pour le prix d'un. Celui-là, tu peux le prendre en takeaway. Et ça fait plus 3 points là. Plus un avantage de prise de dos, tentative de prise de dos, plus un avantage de passage. Du coup, on a 5 avantages et plus 3 points. Voilà. Trop fort. Calcul là. Ça part vite là. Ici, on arrive avec un grip Kimura. Est-ce que Leandrolo va finir cette Kimura ou va transitionner vers une clé de bras ou prendre le dos de son adversaire? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Son adversaire arrive presque à recomposer une demi-garde. Il se bat. Leandrolo est en train de forcer pour avoir cette Kimura. Il reste 2 minutes 22 au compteur. 2 minutes 20. Leandrolo en side control. Son adversaire qui fait des hip bumps, qui essaye de le retirer. Leandrolo fait transition vers la montée. Il reste 1 minute 45 avec un Leandrolo en montée. Sachant que quand on est en montée, on peut choisir de plus rien faire, quoi. Juste bloquer la position. Et l'arbitre ne nous dira rien. C'est pas une tentative de faire de l'anti-jeu. C'est juste qu'on est dans une position qui est tellement forte qu'on n'est pas obligé de progresser. Il n'y a pas de position supérieure à la montée. Donc on peut rester là, on ne se prendra pas de pénalité. Et ici, il continue à plier son adversaire. Il prend le dos de son adversaire. Deux crochets à l'intérieur, deux crochets à l'intérieur. C'est 4 points. 4 points, maintenant il est dans le dos de son adversaire. On est à 13-0 avec 5 avantages. Ici, Leandro arrive à faire un bow and arrow. Leandrolo trop fort. Point faible, trop fort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les gars, partagez cette vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu si c'est le cas. Laissez-nous des finger locks. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez envie de passer les gardes en faisant des knee cuts comme Leandrolo il l'a fait dans cette vidéo, n'hésitez pas à acheter le guide du knee cut. C'est la formation que je viens de sortir que sur cette technique-là. Un concentré de savoir sur le knee cut pour apprendre à s'installer en position pour faire un knee cut, faire le knee cut, faire les variations, essayer de finaliser à partir de la position du knee cut. Et si ça vous intéresse, allez-y, le lien se trouve dans la description. Sur ce, ciao, os.